Salut à tous, on se retrouve pour continuer Red Dead Redemption. La dernière fois on a envahi le fort de Bill, mais on a appris qu'il n'était pas... On est où? Oh, près de Santa. On a appris qu'il n'était pas dans son fort, et on se dit... Oh, poker menteur, jamais fait. Et on se dit qu'il est sûrement au Mexique, venu voir Javier Escuela. Et donc on est arrivé au Mexique avec l'Irlandais. Maintenant on se promène, on découvre le pays. Je regarde le retour si ça bug. J'ai pas eu le temps de faire grand chose depuis hier, ma journée a été chargée donc ce sera la même qualité qu'hier, hein, le même nombre d'FPS hein, malheureusement. Mais demain, je vais vraiment essayer de changer tout ça. Alors demain après-midi, je vais peut-être live, donc pour demain après-midi, ce sera peut-être pas corrigé. Mais pour demain soir, je vais essayer. Bienvenue au Mexique, c'est mon titre. Un peu beaucoup efféminé cet homme. C'est pas faux. Oh, le cheval qui a pop juste derrière. Goes okay, I'm sure the coronel will help you.
Je sais pas si je peux le sentir ce type ou pas. Ah, je peux monter avec lui? Vas-y. On va discuter, je pense. Quoique. Si c'est moi. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tiger, oppression, fear. Words of the peasants and the top. But do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. He just repeat lies to her. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to touch. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this. And I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Señor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is that? To pull the arm around a hungry man, or to feed him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these Aldos? Like, c'est bizarre quand même. Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williams is a fellow I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel peace. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Probably not too easy. They ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price? Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico. Señor, we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. Sambas dialogue. It is rebellion. It is a disease. It is killing this country. Don't people have the right to stand up for themselves? The right? The right? Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying, there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind the Señor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is almost selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals put their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is going to seem good. What? You think? Overthrowing the government is going to make a poor man rich? You're not helping them? It's only natural they're going to look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Eh
ben, ce gouvernement de droite. Ah tiens, partie du mode cinématique. On arrive. Bah, il était cool ce dialogue. Quoi? Ah, attends. Allez, prends son allure là. Fait la loi. Mais normalement, si je reste appuyé sur X, il prend la vitesse de l'autre. Pourquoi c'est pas le cas là? Regarde, je passe à vitesse. Oh oh, j'ai eu chaud. Ah, y a des ennemis là. J'allais dire, je me demande ce qu'on est censé faire là. Mais je les vois pas moi. Oh là là, n'importe quoi, je suis tombé. Il y avait une mine au sol, c'est ce que tu es en train de me dire là? Bon, tuez-le là, les gars. Bon, elle a pris cher quand même la locomotive. Avec la mission comme ça, avec mes FPS très faibles, c'est pas vraiment cool. Hein. Non, qu'est-ce que je fous moi? Je vise pas tes hommes, je vise les autres. La balle me passe à côté de tes hommes, c'est... Je vais passer devant le train. Comme ça au moins, si on est à droite, je peux aller à droite. Si on est à gauche, je peux aller à gauche. Tout au fond que j'ai raté. Casse-toi. Mais vise là. Voilà. On
y en a par là. Ça rend fou. Casse-toi. Et recharge. Un truc de fou, je lui dis de recharger, il galère quand même avec ses balles. Ça m'a de ou garda. Ok. Monsieur. Comme si c'était à moi de le faire. Et on pote. Bien évidemment, il ne saute pas. Mais il est coincé, ce cheval, là, il rend fou. Oh là là, le contrôle du cheval dans ce jeu. Ah, ils sont dans le train carrément. Falloir que je monte dans le train du coup. Pas du tout. Je pensais qu'il fallait que je monte dans le train, mais non. Quoi? Comment je monte dans le train? Parce qu'ils sont à l'intérieur. Comment tu veux que je les tue s'ils sont à l'intérieur? Et j'ai pas de touche pour monter dans le train. Non, ils sont au-dessus, très bien. Ils sont tous au-dessus. Mais vise-le, il est devant toi. Le mec, il est devant lui. Il vise un mur. Il y a quelqu'un qui est en train de le tuer devant lui. Mais non, il vise un mur. Ça rend fou, ça. Il veut pas tirer, hein. Deux fois je lui ai dit de tirer, il tirait pas. Mais vise. Mais non. N'importe quoi. Oh oh. Ouais, mais après j'étais pas si proche, hein. Le jeu, il essaye un peu de m'arnaquer. Pendant que les autres ils ont rien fait, c'est l'américain qui sauve, quoi, c'est n'importe quoi.
537. Pas mal. Oh, un L, c'est quoi? C'est qui L? Il est là. Luisa Fortuna. C'est 200 temps. Je dis combien de voir. Je me souviens plus de ses missions à lui. London Rickets. Qu'est-ce que je fous moi? Casse-toi. En plus ça fait 20 ans quoi. Trajet express. Chuparosa. Vas-y. Attends, je vais éteindre la lumière, tiens. J'y pense. Entre 7h du matin et c'est quelle heure là? Oh oui, on attend pour un petit poker les gars. $50. Poker de riche là. Ah oui, mais on est que deux. J'hésite. 5-9. Oh, c'est le tout début, on va suivre. Écoute, on va suivre, c'est le tout début. Pas ouf, hein. Je me couche. Oh, pas mal. Bon, c'est nul. J'aurais dû check. J'ai trop la confiance. 1, 7, 8, 9, mais ça sert à rien, quoi. Il va gagner encore. Là j'ai rien du tout. Non! Trompé de touche, je voulais appuyer sur R1. Punaise, mon deck 2 c'est nul. En même temps, sorti, les gens ils dorment sûrement. Check. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Tiens. Non mais j'ai vraiment rien, c'est un truc de fou. Donne-moi un 7. Donne-moi un 7, j'en ai marre. Donne-moi un 7. Bah, bien évidemment, je n'ai pas un 7. Mais j'ai rien. Bon, au bout d'un moment, il faut jouer aussi. J'ai rien du tout. Oh! On perd 2-6, on va. Ah! Pour une fois que je gagne une main, tiens. Après avoir perdu une quinzaine de dollars.
Bon, je suis. Check. Pas grand chose, hein. Paire de 4, c'est tout. On va suivre. Oh, j'en ai marre, hein, écoute. Bien sûr. Quoi, il a gagné? Mais j'avais une paire de 4 aussi. Tout le monde. Et j'avais hauteur as en plus, c'est n'importe quoi. Oh, allez hop mon pote. C'est quoi là? Oh, check. Ah, une paire de 5. Ah, et attends, regardez la table. C'est L2, regardez la table. Oh, une paire de J. On va remettre à 50. Ça me saoule, c'est... Bah tu sais quoi, je vais aller à 100, parce que ça me saoule. Espérant que ça lui passe pas une quinte ou je sais pas quoi, là. Je porte mes goûts, là. 243, vas-y, mon pote. Allez, hop. Écoute, je tapis. Hein. Oh, il a une paire de 4, boum, allez hop, popote. En deux paires, je me suis. Enfin, en deux paires, en deux jeux, je me suis refait. Suivant. 5, 10. Il me semble que. Ah non, j'ai pas de paire, non. Je croyais que j'avais un 5. Je sais pas pourquoi. Donne-moi un 9, mon pote. Donne-moi un 9 et j'ai une suite. Oh, 7. J'ai rien du tout. Hein. J'ai vraiment rien. C'est vrai que j'avais pas beaucoup parié là, mon pote. On va déjà mettre un peu la pression. Oh, paire de 6, paire de 8, mon pote. Ah bah 80, écoute. Oh, il suit. C'est quoi un petit check? Neuf, huit, sept, six, tiens. Attends, 8-7. 8-6. Oh non, les boules. Oh les boules. Il a repris les devants. Je suis de nouveau en déficit. Ah, j'ai trop pris la confiance. Pris la confiance, j'ai une paire. Ouais, j'ai qu'une paire. Bah écoute, on va tenter. Hein. J'ai qu'une paire. Mais bon, je vais suivre jusqu'au bout. J'ai pas envie de voir l'argent tomber. Oh quoi? What? J'avais un truc de couleur. C'est moi qui ai gagné, j'avais un truc de couleur, j'ai pas compris. J'y connais rien à ces histoires de couleurs. 6,
Il y a une paire de 6. On va juste check pour l'instant. Vas-y. Donne-moi une autre paire, mon pote, s'il te plaît. Pas fou, pas fou, pas fou, mon pote. Ah, j'ai appuyé sur... J'ai appuyé sur X trop vite, sur le dernier. Au début, je suis toujours... j'augmente pas plus. Oh, attends. Ah non. Je croyais que j'avais 10-5, mais non. Bon, j'ai quand même une paire de 10. Paire de 10, paire de 9. Bon, écoute, je voulais mettre 50, mais c'est monté trop haut. Tu bluffes, mon pote. Oh! Ah, c'est... 10 et 9, oh non! Oh là là, je vais perdre 50$ totalement... Comme du n'importe quoi, quoi. C'est quoi une petite de relance de 10, mon pote? Six, quatre, 10. Paire de 6, ouais. Je suis... Ah oui, j'ai pratiquement plus rien, j'avais pas vu mon argent. Enfin, mes jetons. Ils sont à 8, mon pote. J'ai paire de 10, paire de 6. Je sais que je devrais pas, hein, mais je le fais quand même. Dès que j'ai le paire, je me sens plus. Oh yes, c'est bon. On se refait un minimum, quoi. As 9, ouais, et j'ai une paire de 9 là pour l'instant. Bon, écoute. Bon, 14, c'est pas grand chose, on suit. Allez hop, une paire de 9, mon pote. Allez hop, allez hop, allez hop. Je repasse au-dessus des 500 ou pas? Non, ah oui, je suis même loin. Écoute, je suis. Oh, 10. Check. Dommage, c'est pas un 7. 66. En plus, j'ai spammé X comme un bébête. S'il a un roi, il se fait bien. Hein. Quoi? J'ai quoi moi? J'ai rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai joué alors que j'ai rien du tout. Franchement, je suis même plus là. C'est vrai que ça fait quelques tours que je suis même plus. Qu'est-ce qui se passe? 5, 6. Donne-moi 7, 9. C'est trop demandé ça. Non, le pire c'est que j'y ai cru moi. J'y ai cru au 7-9. Quoi, il a une quinte? Mais les boules. Il a une quinte, moi je... Justement je la visais la quinte. Moi une quinte, j'aurais fait tout cracher à mon adversaire. C'est quoi? Tant pis. Dès le début, allez. Attends. Allez hop, full de 8 par les 7 mon pote. Oh, un petit 15. On se mouille pas trop, mais un peu quand même. Parce qu'on a une belle main.
10-19. Ah. On a une bonne main qui nous sert à rien pour l'instant. Oh là là. S'il a un 10 ou un 2, il se met très très bien. On va check. Ben on va partager le pot, mon pote. Quoi? Pourquoi il gagne? On avait exactement. Et en plus, j'avais As et Roi, donc si j'ai gagné par la hauteur, je comprends pas pourquoi il l'a gagné. 3, 5, 7. Mais... Oh, tu me donnes un 4, je me mets bien. Donne-moi un 4, mon pote. J'ai dit, donne-moi un 4. Oh la lourdeur. J'aurais dû all-in franchement. Quoi? Tu sais quoi? Je m'en fous de ma main. Je ferme les yeux même. Je tapis. Roi, roi, 4, 6, je ne sais même pas ce que j'ai. Hein. Il a une paire de rois et moi j'ai roi et 4, boum! Comme quoi, j'hésite à refaire un tapis. Hein. Il commence à refaire jour. On va peut-être aller voir le type. J'ai rien du tout moi. Je me couche. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas couché moi. Parce que je fais vraiment n'importe quoi. Tapis. Allez hop. 3-4, j'ai tapis. Paire de 4. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et c'est la couleur qui gagne? Ouais. Bon, j'en avais marre. Pas de mentir. Je m'en fous de mes 50$. Hein. Au bout d'un moment, je suis riche. Quoi, il est passé où le type? Ah, il est là-bas, à l'air. Quoi? Mais c'est quelle heure là? Sérieux, c'est 6h30, ils sont sérieux. Tiens, il y a un point d'interrogation là-bas, je vais aller voir. En attendant. Monsieur. Ouais. It. Try to give those dados hell, what?
Eh ben une nouvelle mission, hein. Mais on va aller voir LR avant. LR. Qui est toujours pas dispo. Mais c'est quelle heure là? J'en ai marre. Ils sont chiants, hein. Allez, on retourne au poker. Là ils sont plus. J'ai bien envie de tenter. Je suis. Oh. Je suis. Je me couche. Allez, je suis. Eh ben, j'allais dire j'ai confiance en mon as, mais au final j'aurais pas dû. Il y a encore que deux paires, hein. Bah, je suis en positif pour l'instant. Je le suis plus. Je ne veux pas la jouer risquer. J'avais une paire de 2 pour l'instant. Une paire de 2, une paire de 10 quand même. Hein. Dommage, j'ai pas pu voir jusqu'à la fin. Allez. Ah! Paire de roi quand même, mais bon. Ça fait mal. J'allais dire justement, tant que personne relance, ça me va. Mais il a fallu que ça relance. Si quelqu'un a 10, il se met bien. Attends. KQ. Ah non, KQ As 2, mince. J'ai cru qu'on faisait une suite, mais pas du tout. Ah, check, écoute. Hein. What? Ils ont réellement tapis? Il a une paire de 10. Ah, deux paires d'Amé 10, donc j'aurais perdu. Donc ça me va. J'ai bien fait de me coucher. C'est quoi, je me couche là. Hein. 3-6. Moi je suis parce que j'ai envie de jouer aussi. 7-6-2. Check. Paire de 7, paire de 6. C'est quoi, on va retomber dans nos travers. Hein.
Oh oui, que 35. Dommage. Check. J'ai rien du tout, mais si je peux check, ça me va. Je me couche. J'essaye juste d'être positif. Je remercie. Désolé, j'ai fait tomber mon micro. Quoi, j'aurais gagné? Je suis dégoûté. Bon, je pouvais pas savoir. J'avais une paire de deux, je suis dégoûté, j'ai pas gagné. Si j'avais continué. Oh oh oh, je suis. Je check. J'ai rien, hein. C'est fou. Moi, j'ai juste envie de retomber dans le positif et je pars. Oh, j'ai une paire de rois là, je crois. Ouais. Vas-y, je suis. J'ai qu'une paire de rois par contre. C'est pas ouf. On a tous suivi, hein. Tous les quatre, on a continué. Oh, le coup dur. Dommage, j'avais la deuxième meilleure main, quoi. Où est-ce que je suis? Je me couche. Il avait tapis. Bon, allez, je suis. J'ai rien du tout. J'ai une paire de 4. I made my decision. Ah bah. Vous devez gagner, tant mieux.
Il m'a suivi. Oh, j'ai deux paires, là. Ah, c'est 6. Et là, je commence à me refaire. Attends, j'ai une bonne main. Que je vais juste suivre, pas que je prenne trop la confiance non plus. Ouais, parce que j'ai rien là. Allez les gars, je vais juste être positif là. Je me couche. Que j'essaye de battre l'autre. L'autre il doit être bien riche hein. Je pense pas que je fais cette carte puis je fais cette main puis je pars. Ah mais je l'ai pas battu l'autre, il avait pas fait all-in. Je croyais. Double roi. Comme moi, la dernière main, j'avais eu beaucoup de chance parce que j'avais roi, reine, prince, 19-8. Donc je m'étais mis très bien quand même. Bon, c'est ma dernière main, donc j'en profite pour parier un peu, quoi. Si j'ai perdu, je le sais. Hein. J'ai rien du tout. Hein. Je pense que j'ai perdu. Oui, non mais c'est bon aussi. Et quitte. Et 75. Je me suis un peu refait. Tiens, la mission qui se lance automatiquement. Imagine, tu voulais pas. Tu voulais juste jouer au poker. Mais j'étais à cette table il y a 2 secondes. Et t'étais pas là. Garzon. Mais vous êtes sérieux? Je viens de passer une demi-heure à faire du poker pour en refaire. Ah ouais, en plus ils me font utiliser 100 dollars quoi. Ah mais on m'a prêté 100 dollars, tiens. Suivre. Neuf, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai moyen. Donne-moi un 4. Oh.
Boum. On les suit l'autre, hein. Bah je suis mon pote. Allez hop mon pote. Both as lucky as each other. How interesting. I'll take a whiskey. You're buying lower. You know what I always say, Muller. Je me couche. Qu'est-ce qu'il a raconté? Oh, c'est classe ça. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. C'est quoi ça? Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Venez-vous au duel. Mais il a demandé un second. A duel is all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully. Once you picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with. Steady now, partner. Stay calm. You should have stayed home, Yankee. Yankee. Mon pote, t'es pas prêt. Je suis bloqué. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Remember what I told you. Nobody steals from me, especially an American. Quelle touche pour dégainer? Ah ok. Bon. Old Muller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Regarde, ils en rigolent. Le mec avec qui je jouais il y a deux secondes est mort, ils en rigolent quoi. Quelle époque. Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Master? Peleamos ahora, eh? We fight now. On met lui un headshot. Careful, Marston. I know that girl. No merezco esto. T'inquiète, mon pote. No puede ser. Boom. Quoi?
Je vais baisser. J'ai augmenté le son pour la cinématique. Mais là, c'était un peu fort du coup. Casse-toi. Tiens. C'est ironique ou pas? Au final, j'ai bien aimé la mission. Par contre, l'argent que j'ai gagné, je le vois pas dans mes poches. Hein. Oh! Une chèvre. Elle était cool la mission. Une petite fusillade, un peu de poker. Un vrai cowboy quoi. Un vrai cowboy. Non, je peux pas monter sur la table. J'aurais tenté hein. Il s'impose Benji, je l'aime bien. Hey Gringo. Mr. Rick. In. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We just kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Huh. More trouble. Sure. I'm set to track down the men I used to run with. Track them? Kill them? Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now. Sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! Nah, I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. Thank you. Both of you. Alors après cette cinématique, ça fait plaisir. Hein. Je leur dis encore une fois, ça fait plaisir. Ça faisait. Ils parlent un peu plus de la banque et ils parlent de ce qui s'est passé à la fin, quoi. Que durant le braquage, bon, c'était un. Si, c'était un braquage de train, quoi. Et je sais plus comment ils appelaient ça dans le 2, ils appelaient ça pas ça un braquage de train.
Mais voilà, c'était pareil. Il s'est fait tirer dessus, il a été laissé pour mort, effectivement. Tout le monde était devenu fou. Bon, Arthur, il l'était pas, mais Arthur est mort, quoi. Dutch avait perdu la tête. Il a parlé de tout, quoi. Il parle de tout. Ça fait plaisir. Et il doit traquer les hommes. Bon, moi, ça me dérange pas, hein. Parce que du coup, Micah, on l'a déjà tué à la fin du 2. En fait, tous les hommes, c'est les quatre hommes, voilà, qui restaient. Parce que de toute façon, lui, il s'est rangé. Arthur est mort. Puis de toute façon, je pense qu'il l'aurait pas traqué. Alors, du coup, il y a Charles. Mais je pense que Charles, de toute façon, il est parti au Canada normalement. Donc, et puis, c'est son ami, il l'aurait pas traqué. Donc, il lui reste Dutch, Javier et Bill. Bill et Javier, il est en train de le faire. Donc, il fera sûrement Dutch plus tard, hein, je pense. Mais ça fait plaisir ça. Qu'on parle carrément de la fin quoi. Où Dutch était devenu fou, où tout le monde avait un peu perdu la tête, où on se prenait à des gens sans raison. Te tue? Voilà mon pote. Mais c'est peut-être un gentil, peut-être notre ami. Ah ouais, c'était notre ami. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu reprends qui tu veux, moi je vais m'occuper des autres. Il fait un de ces bruits, mon frigo. Oui, enfin, faut dire ça aux chevaux, pas à moi. C'est vrai que là, il commence à me manquer de respect, le type. Hein. Après, alors je sais pas, le dialogue, je sais pas s'il change par rapport à si on a fait la mission avec de Santa ou pas. Parce que de Santa, du coup, il est vraiment du côté du gouvernement. Un gouvernement visiblement de droite, et lui là, Ricketts, il est très clairement du côté de la résistance, de la révolution, je sais pas trop comment les appeler, qui sont clairement de gauche. Hein. Je sais pas, je voulais viser, ça voulait pas. Donc j'ai foncé dans le temps. Écoute. Ah, c'est par où je suis arrivé là, non? Je sais pas. Mais oui, du coup, c'est vrai que j'utilise les deux pour arriver à mes fins et trouver Javier et Bill.
Sauf que bah du coup voilà ça va pas, c'est comme si tu travaillais avec Le Pen et Mélenchon en même temps. Et je me demande si le dialogue là, il est modifié selon si j'ai fait la mission, une mission avec, au moins une mission avec De Santa ou pas. Parce que si j'avais fait aucune mission avec lui, pourquoi est-ce que Ricketts me dirait oui, vous bouffez à tous les râteliers. Ce serait bête. Donc je sais pas si le dialogue change selon. Du coup, Louis Fa, c'est elle. Ouais. Tiens, on a passé la frontière, du coup. Louis Fa. Est-ce que je vais voir Louis Fa ou. Tu sais quoi, je vais aller à Escarilla. On va finir avec De Santa, puis on ira voir Louis Fa après. Que. Ouais. Que ouais, va pas me saouler quand même. Mais c'est bon, l'étendue de l'eau, elle est à 20 km là. Oh là là, la lenteur, la lourdeur. Sous de moi. Non, ils veulent vraiment. J'ai pété un câble. Tu sais quoi, pour montrer mon mécontentement. Voilà. Oh, mon cheval, il est mort lui aussi. Voilà. Et ça va me TP à la ville. Comme si l'étendue d'eau, elle gênait pour poser son feu de camp, quoi. Quoi? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? C'est quoi cette mission? Bah tiens, on va aller la faire. Tant que j'y suis. Mais alors là, j'étais pas prêt, hein. J'essaie de montrer mon mécontentement au jeu, il. Il me l'a mis bien profond. Vraiment, j'étais pas prêt pour ça. Un drôle de type, c'est celui qui veut. Ah bah non. Celui qui veut aller en Californie, c'est la mission qui s'appelle Californie, donc. Quoi, faut descendre, mon pote, comment je descends? Oh là là, je dois faire le tour. Bah ouais, c'est trop là. Mais non, il a glissé! Oh là.
là, ça me rend fou. Il a glissé, mon cheval. Il est allé trop vite. Ben ouais, c'est n'importe quoi. Suis le chemin. Oh tiens. Mais qu'est-ce qu'il fout ce cheval là? Je lui demande d'aller à droite, il va tout droit. N'importe quoi. Le cheval, on dirait qu'il était bloqué à droite. Parce que ça le faisait tomber 3 mètres. Au final, il fonce tout droit. Ça le fait tomber 50 mètres. Et en plus, il meurt même pas quoi. C'est moi qui meurs, n'importe quoi. Bouge-toi. Je rigole pas là. Franchement, que tu sois fatigué, je m'en fous. Tiens, D, c'est quoi? C'est qui D? Je sais plus c'est qui. Je sais plus qui que c'est. C'est De Santa. Et bouge-toi là. Regarde, c'est incroyable, il recommençait à aller à gauche. Hein. Et bouge-toi. Mais c'est bon, il me saoule. Casse-toi. Quoi, c'est quoi tous ces ennemis? Je vois qui c'est maintenant. Je l'ai libéré avant de tuer les autres. C'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Bah visiblement si, puisqu'il y a personne sur le chemin. Quoique. Peut-être parler un peu trop vite. Quoi, je peux le viser? Le pauvre. Qu'est-ce qu'il fout lui? Mais sérieux là? Laisse-toi. Quoi, il est pas mort? Casse-toi. Encore des ennemis là-bas. Monsieur, c'est un gentil.
Ok, bon, on va y aller. Mais attends-moi, tu vas mourir. Une débile. Ne me laisse pas la rattraper. Ah, lui, je peux pas le tuer par contre. Tiens, casse-toi. Quoi, je l'ai pas. Casse-toi. Il est pas mort, hein. Si, il est mort, c'est bon. Casse-toi. Il a vraiment cru que ça allait passer, le débile. Mais. Sors! Par contre, c'est long. Il est grand le canyon. Je me régale. Hein. Je me régale. Boum. Une petite balle dans le dos bien placée. Oh, je t'avais pas vu, toi. Justement que tu sais pas viser, du coup, tu m'as dit où t'étais. Le corps, il est tombé normal. Il a fait un petit coucou à la caméra avant qu'il devienne hors champ. Casse-toi. Laisse les boules. Oh, le coup de joystick que j'ai donné. Mais tue-le là. Voilà. Ils sont deux encore. Boum. Le dernier. Il est en train de partir ou quoi? Non. Boum. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fout, mon cheval? Arrête d'être coincé, là. J'ai que ça à faire. Je suis en mission. Il est où? Tu vas aller où? C'est à moi de partir en premier. Bah après, logique, si c'est à moi de clear the way, c'est qu'effectivement c'est à moi d'y aller en premier. Avance! Oh là là, quand je dis que le cheval sur ce jeu c'est horrible. Pour un jeu de cowboy c'est un compte quand même. Mais. Casse-toi! C'est fou, il n'y avait pas la visée automatique, je sais pas pourquoi. Il voulait pas le. J'aurais bien aimé tester le fusil à canoncier. Ah oui, j'avais 600 piles, tiens. J'avais 600 piles.
il faut que j'aille là, du coup. J'ai la flemme de retourner là-bas, moi. Comme j'étais à la frontière, quoi. Ils me font tout refaire. Quoi? C'est ici la frontière? Ah non, il y a ici aussi, je pense. Je peux venir ici. Je sais plus par où j'étais venu. Je sais pas si c'est pas plutôt par là-bas. Hein. Bah, je vais tenter par ici, mais je crois que je le sens pas. Hein. Bon, désolé mon pote, mais bon, écoute, le truc il est apparu sur la map. S'il apparaît sur la map, je veux bien. S'il faut aller parler. Au type pour lancer la quête, etc. Laisse tomber, mais... Il est sérieux, non? Reviens, toi! Mais... Comment ça me rend fou, hein? $19, c'est pas mal. Ah, c'est à l'intérieur du coup. Ah, mais en passant à l'intérieur, est-ce que je vais pas lancer avant l'affiche? Harry Dobbing. Bande des jumeaux Bollard. Violence. Ouh, $160 vivant, je prends. Mais montre-moi la carte, là, c'est un truc de fou de pas pouvoir regarder la carte quand ça sauvegarde. C'est qui ça? Des fleurs pour une dame. STP Armadillo. S'il n'y a pas de Chola Spring, non, c'est bien ce que je me disais. On va aller à Armadillo pour faire le. Du coup, le. La prime. La chasse de prime. Par contre, ça va être un peu long pour la ramener. Où j'étais.
tout va retrouver ton maître. Et soude-moi pas. Tu vas te perdre sinon en plus. Il ne veut vraiment pas sauter là-dessus, hein. C'est un truc de fou. Peut-être fait une erreur en allant de ce côté. Quoique, pas du tout. Quoique, si. Mais attends. Mets-moi la carte où il est, exactement. Ah ouais. Mais qu'est-ce que. Ah ça. Ouais, voilà, je pouvais faire un tout droit du coup. Je m'en fous de mon assaut, moi. Il doit être juste derrière ça, je pense. Échappé à cheval, mince. Dépêche-toi, mon cheval, là j'ai que ça à faire. Bouge-toi là. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Oh, bouge, débile! Oh, ça débile! C'est incroyable ça. Bah oui, il s'enfuit, c'est à cause de qui? À cause de mon cheval. Avec un cheval comme ça. Bien, c'est qu'il est juste là, quoi. Je sais pas comment il a fait pour être si lent. Mais il se prend tous les cactus, visiblement. J'ai cru que ça allait me faire monter sur le cheval, j'avais pété un câble. Je m'appelle John Marston. Ravi de te rencontrer. Tu vaux 160 là, mon pote. Hein. Crois-moi que je veux bien prendre soin de toi. Ah, quoique je peux l'amener à Armadillo. Tiens. Même si je l'ai pas récupéré là, le. Mais casse-toi, le. Mais vise-le! Vise-le! Incroyable! Casse-toi. Vise-le! Casse-toi. Là, je place de ses têtes. Par contre, elles sont vénères, les têtes. Donne-moi le fusil. À canon scié. C'est fou ça, le mec il est au milieu de mon champ de vision et je vise automatiquement, ça vise à 20 km quoi. Et c'est fou comme j'aime bien plaindre.
Mais 160, c'est vraiment pas mal. Hein. Tiens, je crois que Plainview, tu peux te TP là-bas. Oh, je suis full en honneur, je crois. En honneur. En honneur. En français. C'est mieux. Mais je suis à 20 km de la ville, arrête un peu. C'est pas Plainview et on va voir si on peut, passer à la frontière. Ah, donc c'est bien. Par là, ce que je me disais. J'ai appuyé sur triangle. Hein. J'ai envie de tuer des gens random. Pas mentir. C'est long, hein. Oh là 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 là, mais cette frontière, elle est introuvable, ça. C'est incroyable, je peux jamais la traverser. Enfin. Enfin, j'y suis. Chien sauvage qu'on entend. Alors, je suis désolé si je parle moins que d'habitude. C'est vrai que je suis fatigué. J'ai pas tardé à arrêter le live là. C'est vrai que j'aurais aimé faire un live aussi long que d'habitude, hein, donc minimum 2 heures, mais. Le gentil, il est mort déjà. Les boules. Bah, le temps que je comprenne qui est gentil, qui est méchant. Aussi. Ouais, comme je disais, j'aurais aimé faire un live de au moins 2 heures, mais. Là, franchement, j'en peux plus. Je commence à en avoir marre. Il est où sur la map? Attends, mais pourquoi je veux me TP moi? Pourquoi je veux. Je veux pas me TP justement. Alors que je peux. Juste le nom de la ville. Escarella. Escarella. Arla. Escarella.
niche une large à l'intérieur de la ville. J'étais en train de me demander, est-ce que je suis à l'intérieur de la ville pour aller chercher. Je sais même plus ce que je raconte là. Je suis trop fatigué, je sais même plus le début de ma phrase. Ce que je voulais dire. Oh là là! Le sol y est plat, arrête un peu! Qu'est-ce que je fous? Et sauvegarde-moi ça là! Sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain soir, il y aura un live, c'est sûr. Mais demain après-midi, j'aimerais bien liver. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Je vais essayer aussi de corriger encore un peu plus ces problèmes de FPS. Bon, l'après-midi, ce sera... Je pense pas que j'aurai eu le temps, mais... Pour le soir, je vais tenter. Et on va continuer un peu à l'émission du Mexique. En espérant qu'on revoie peut-être Javier ou Bill. Bon, je vais vous envoyer chez Goody, qui fait du FF8. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine.